amie de toujours. Oui, c'est bien moi, Prudence Petit Pas. Avec ma voiture et mon chat, je fais la chasse aux malfrats. Je suspecte, il faut que je m'en mêle. N'en déplaise aux sœurs Béchamel. Bonjour, bonjour, monsieur le commissaire. Voici déjà la clé du mystère. Notre joli village de moucherons trouve toujours la solution. De quoi tu peux? C'est sûrement l'ampoule qui a grillé. Je vais aller la centre. C'est étrange. Plus de lumière au village non plus. Allez, vas-y, double quoi ? Oh, ça ! J'aime mieux ça. Je viens de voir une chose incroyable. Un ovni. Oui, un ovni. Il est passé juste au-dessus de moi. Un ovni? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu es tombé sur la tête ou quoi? Eh ben, d'ailleurs, oui, tu es vraiment tombé sur la tête. Un ovni? Un ovni? D'accord, d'accord. Viens, je t'emmène au village. Et alors, j'ai vu apparaître une forme bizarre dans ma télé. Plus de courant dans tout Moucheron. Une voix étrange à la radio. Une voix? Oui, une voix qui disait vagram. Ou un truc comme ça. Oh, du calme, chers amis. C'est probablement un orage électromagnétique. Phénomène tout à fait banal. C'est plutôt un radio amateur qui s'amuse à brouiller les émissions. Oh, si je l'attrape, celui-là. Oh, au fait, quelqu'un sait si Roberto a marqué le but. Ah! Et vous voyez, j'avais raison. Tout est explicable par la science. Un ovni! Un ovni! J'ai vu un ovni de mes yeux! Il est passé juste au-dessus de moi! Il s'est cogné la tête. Non! C'est vrai! Tous ces phénomènes sont décrits très précisément dans Extra, c'est terrestre. Le livre du professeur Bourlet. Professeur Bourlet? Professeur de quoi? De science extraterrestre.
Mais enfin, ma chère Clotilde, les extraterrestres n'existent pas. C'est ça, moque-toi. Monsieur le commissaire, vous avez bien entendu une voix bizarre à la radio. Que disait-elle, cette voix? Zagram, je crois. Eh bien, d'après plusieurs témoins qui ont rencontré des extraterrestres, Zagram, ça veut dire bonjour dans la langue de la planète Zork. Et Zort, ça veut dire soucoupe volante. Et zut, ça veut dire quoi? Ce que veulent dire tous ces signes? Ils annoncent l'arrivée des extraterrestres. Des extraterrestres, un moucheron. Il doit y avoir une explication à tout ça. Vous avez raison, Prudence. Demain est un autre jour. On y verra sûrement plus clair. J'ai appelé la compagnie d'électricité. Ils n'ont eu aucune panne. Rien qui puisse expliquer la coupure du courant. J'ai interrogé tout moucheron et plusieurs personnes ont vu une lueur aveuglante dans le ciel. Étrange, oui, cette lumière blanche. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ça, mystère. J'avoue que ça me dépasse complètement. Le champ de blé du père Joseph. Il faut que vous veniez voir ça tout de suite. Qui a bien pu faire un cercle comme ça? Et surtout, pourquoi? C'est un signe. Un signe? Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est dans le livre du professeur Bourlet. Les habitants de la planète Zorg ont coutume de dessiner des figures géométriques dans les champs. Et cela afin de leur servir de point de repère pour l'atterrissage. Ils vont débarquer. Je vous laisse, je dois aller faire ma tournée, moi. Commissaire, qu'est-ce qu'il y a? On ferait bien de s'en aller tout de suite. C'était moins une. Quelle mouche les a piqués. Je me demande si... Ce sont juste des baies. Je n'en ai jamais vu de semblables par ici. Cataplasme me saura peut-être me dire de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Commissaire Duroc, à qui ai-je l'honneur? Professeur Bourlet, pour vous servir. Le grand expert en sciences extraterrestres. On peut dire que vous tombez vraiment au bon moment, professeur. Eh bien, je... C'est nous qui lui avons demandé de venir. Lui seul est capable d'expliquer les phénomènes qui nous sont arrivés à Moucheron, comme il l'a fait dans son merveilleux livre. Oh, pourriez-vous le dédicacer? Oui, bien sûr. Mettez à Clotilde Béchamel. Non, à Emrance Béchamel. À Elvire Béchamel. Aux trois charmantes sœurs Béchamel. Dites-moi, elle sert à quoi au juste, votre machine? C'est un zorgatron. Un appareil de ma fabrication. Il sert à mesurer les champs supraioniques. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai des réglages à effectuer. Bon, eh bien, je vais aller faire mon rapport au maire, moi. Voilà, tout est prêt. C'est quoi ce truc, monsieur? C'est une antenne bispectrale pour capter les émissions extraterrestres. Je ne crois pas qu'il y ait des créatures venues d'une autre planète sur notre bonne vieille Terre. Mais quand même, cette histoire de cercle dans le champ du père Joseph...
Un cercle? Comment ça? Un rond parfait d'une dizaine de mètres de diamètre. Tous les épis sont couchés. Il faut absolument que j'aille voir ça tout de suite. Où est-ce? Moi, je sais. Suivez-moi. Faites attention aux vaches. Aucune mention de ce fruit dans mon guide de botanique. Et si ces baies venaient d'une autre planète? Mais peut-être qu'elles vont se transformer en gros monstres avec plein de tentacules. Hein? Vous croyez? Oh, heureusement que le professeur Bourlet est là. Il saura quoi faire, lui. Qu'est-ce que c'est que ce raf? Encore ce radioamateur qui s'amuse à brouiller les ondes. C'est eux! Ce sont les Orgiens! Ils nous annoncent leur venue! Calmez-vous! Calmez-vous! Il n'y a pas de quoi s'affoler! C'est juste une voix dans un haut-parleur! Ben voyons, des extraterrestres! Et pourquoi pas une soucoupe volante juste au-dessus de nos têtes? Assez. Venez, commissaire, je vais vous faire un bon cassoulet pour vous remettre. Ah! Alors, Prudence, tu n'y croyais pas? Eh bien, tu l'as vu de tes yeux, vu! Les extraterrestres existent bel et bien! Oui, mais pourtant, il y a quelque chose qui cloche. Oh, oui, où était Bourlet pendant l'apparition de la soucoupe? Bizarre qu'il ne soit pas resté à surveiller le capteur de son. Quand on parle du loup. Je les ai ratés! C'est pas vrai! Des années que j'attends et je les ai ratés! J'étais dans le champ avec Jojo, persuadé qu'ils allaient y atterrir, quand j'ai vu la lumière se diriger vers le village! C'était incroyable! Une soucoupe volante est juste au-dessus de nos têtes! Tout s'est passé exactement comme dans votre livre! À tel point qu'on pourrait se demander si ce n'est pas vous qui êtes derrière tout ça. Moi? Prudence! Voyons, tu devrais avoir honte! Partons! Il y a des gens qui émettent de mauvaises ondes par ici. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement ridicule? Vous êtes complètement folle! Mais pas du tout, c'est pour leur souhaiter la bienvenue! Tu as devant toi les ambassadrices du comité pour l'amitié moucheronno-zorgienne! Oui, et notre rôle est de développer la bonne entente entre moucheronnais et extraterrestres! C'est très bien, mais encore faudrait-il qu'on les voie, vos martiens! Zorgiens, pas martiens! Le livre du professeur est formel! L'apparition des signes veut toujours des rapports! Ils vont arriver! Oh, d'ailleurs, nous allons de ce pas étendre notre banderole dans le champ! Au cas où tu ne le saurais pas, cela veut dire... Zagram! C'est écrit aux Zorgiens! Non! Ah! Ah! Prudence! Excusez-moi, je croyais que c'était... Enfin, les... vous voyez? Je vois. Je suis venue acheter extra-terrestre. Ah, trop tard. J'ai vendu tous les exemplaires. C'est un ouvrage formidable, formidable. Il me reste juste le mien. Bon, si vous le voulez, je vous le prête. J'y tiens. C'est un cadeau de mon neveu. C'est très gentil, merci. À mon oncle, en souvenir de nos rouges escapades, signé Étienne Tortillon. Nos rouges escapades. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que... Prudence, si vous voulez bien me laisser maintenant, j'ai du travail. Je vous ai réunis tous les deux pour faire le point. Tout ça m'a l'air d'un canular monté par Bourlet. Les événements collent trop bien avec ce qu'il dit dans son livre. Écoutez plutôt. D'après mes recherches, les premiers signes d'un débarquement zorgien devraient être le brouillage des émissions télé, suivi de dessins dans un champ et de signes de nervosité chez les animaux.
Bourlet n'était pas là quand la soucoupe est apparue. Quel intérêt Bourlet aurait-il à faire tout ça? Pour vendre son livre, peut-être. Les gens se l'arrachent. Cela dit, Jojo m'a affirmé ne pas avoir quitté Bourlet une seconde. Donc... Clotilde! Oh, Clotilde! Clotilde a été enlevée. Non. Oh, c'est affreux! Ils ont enlevé Clotilde! Je dis pas c'est... On était dans le champ. Le champ en cercle. Nous prenions des photos souvenirs. Oh, c'est pas tous les jours qu'on trouve un champ visité par nos amis de la planète Zorg. Bref, soudain, le Zorgien est arrivé. Et alors, on a eu tellement peur qu'on s'est évanoui. Quand on s'est réveillé, Clotilde avait disparu. On l'a cherché partout. Finalement, on est venu chercher de l'aide. Il va l'emmener sur la planète Zorg? Dans votre livre, professeur, il y a des tas de gens qui se font enlever par les extraterrestres. Extra ou pas, ce terrestre commence à me chauffer les oreilles. Je percerai le mystère. Allons voir sur place. Voilà, ça s'est passé là. Voilà qui est intéressant. Un pied de Zorgien. Votre loupe du roc. Merci. Il y a quelque chose d'écrit. Émerence, pourrais-tu me prêter ton poudrier? Tu es sûr que c'est le moment, Prudence, de te refaire une beauté? Made in China. Visiblement, votre Zorgien porte des baskets fabriquées en Chine. Mais enfin, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir de magasin de baskets sur Zorg. Pour moi, ça ne change rien. Le coupable doit être arrêté. Venez vite! On a retrouvé Clotilde! Elle est revenue de la planète Zorg! Qui nous dit que tu es bien notre sœur Clotilde et pas un clone fabriqué par les Zorgiens? Mais je vous jure, c'est moi, Clotilde Béchamel, 23 rue Jean Jaurès à Mouchon. J'aime les tartes aux myrtilles et tricoter des chaussettes. C'est bien elle. Oh, raconte-nous. Oh, tu as dû avoir une de ces peurs. Pas du tout, c'était extraordinaire. Nous sommes montés dans la soucoupe et en 3 minutes, pouf, nous étions sur Zorg. Oh, c'est une sorte de grand cratère rouge, mais on ne voit pas grand-chose à cause des gaz qui recouvrent Zorg. Après, mon Zorgichou m'a ramené. Oh, c'était... Oh, oh, oh. Hé, hey, mais qu'est-ce que... C'est de la latérite. Un minerai, tout ce qu'il y a de terrestre. Laissez-moi passer. Prudence, j'ai analysé les petites baies rouges. Il s'agit d'une variété de pyramicée, un piment très puissant qui vient des îles Adaman. Voilà ce qui les a rendues folles, les vaches. Pour moi, c'est clair. Vous avez de la chance. Je n'arrive pas à trouver le lien entre la planète Zorg, des baskets chinoises, du piment et de la latérite. Parce qu'il n'y en a pas. Nous avons affaire à un imposteur. C'était trop beau pour être vrai. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît mon livre sur le bout des doigts. Qui peut bien être derrière tout ça? Là-dessus, j'ai ma petite idée. Mais où allons-nous? Dans le massif du Cassoulet. Il y a une ancienne carrière de latérite. C'est là que le faux Zorgien a dû emmener Clotilde. Ah, nous y voilà. Nous allons le prendre en tenaille. Je vais par la gauche et vous par la droite. Soyez prudents. Que brouillard artificiel. La voilà, la planète Zorg de Clotilde. Un ballon couleur ciel, invisible depuis le sol. Très ingénieux. Oh. 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 Oh non. Prudence. Professeur. Prudence. Désolé. Faites-vous là. Il m'a pris par surprise. Je vais vous aider. Zagram! Laissez-nous descendre immédiatement. Vous êtes le neveu de Flocon, le libraire. Hein? Mais
Comment avez-vous su? La dédicace du livre de Flocon parlait des rouges escapades. Rouge, comme la carrière où vous veniez quand vous étiez petit. Flocon semblait embarrassé quand je lui ai demandé. Il avait compris que c'était vous le coupable et n'a rien osé dire. Vous? Vous le connaissez? Bien sûr, c'est Étienne Tortillon, mon ancien assistant. Un ingénieur, un génie de l'électronique. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Je ne suis pas Étienne Tortillon. Je suis un Zorgien. Mon nom est Zorgoum. J'ai été envoyé sur Terre par le grand Zorg en personne. Vous êtes complètement fou. Pas fou, Zorgien. La soucoupe, la voix dans le Zorgatron, les vaches, l'enlèvement de Clotilde, tout ça, c'était moi. Pour qu'on sache enfin qui je suis. Moi, Zorgoum. Comment avez-vous fait pour brouiller le Zorgatron et apparaître dans la télé? Un jeu d'enfant pour un Zorgien, grâce à ce brouilleur ultra puissant. De toute façon, il ne nous sera d'aucune utilité. Là, mais nous où nous emmenez-vous? Sur la planète Zorg. Revenez à la raison, Tortillon. Nous sommes dans un ballon, pas dans un vaisseau spatial. Nous allons mourir de froid si on monte trop haut. Monseigneur, seul notre monseigneur Zagrat. Je suis le grand Zorg et je te commande. Zabrak Zagrar, grand Zorg, je suis à vos ordres. Retourne sur Terre immédiatement et ramène ces humains. Bien, grand Zorg. Je ne vous connaissais pas ce talent de ventriloque. Une passion d'enfance, mais je ne suis qu'un modeste amateur. Zagram, Zagram à vous mes amis venus de l'espace. C'est un grand honneur pour Boucheron d'accueillir les dignes représentants de la planète Zorg. Oh. Oh. Zabra Zagram, Zagram. Enchanté. Vous m'avez menti. Vous n'êtes même pas un Zorgien. Zagram, Zagroum. Le pauvre, il est bon pour l'asile. Il se prend pour l'émissaire du grand Zorg. Je suis Zorgoum, envoyé sur Terre par le grand Zorg en personne. Ah, si monsieur l'ambassadeur veut bien se donner la peine, je le conduis à ses appartements. Quel dommage. On avait même préparé une tarte aux myrtilles pour l'occasion. Et après tout, on n'est pas pressé. Merci, Prudence, d'avoir fait la lumière sur cette affaire. Quand je pense que j'y ai cru. Oh, quel naïf! Je dois vous avouer que moi aussi, pendant un moment... Bien, cela me servira de leçon. Mais je continuerai à chercher des preuves de l'existence d'aliens. Et j'espère qu'un jour, il y aura une rencontre. Merci, Prudence. Et Zagram à tous! Au revoir, professeur. Bonne chance dans vos recherches! Zagram! Thank you.